marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé, jour 48. Opportunité. La vie est remplie d'opportunités et la clé, c'est de pouvoir prendre conscience de ces opportunités et de les saisir au moment où elles se présentent. L'une des plus grandes opportunités que la vie nous offre, c'est l'opportunité de la rencontre. La rencontre avec notre prochain. En effet, la plus grande richesse n'est pas celle de l'argent, encore moins celle du pouvoir, mais la plus grande richesse, c'est de savoir reconnaître le talent des humains. Notre vie nous amène régulièrement sur différents chemins. Il arrive fréquemment que nos chemins croisent ceux d'autres personnes, d'autres humains comme nous. Et on pense parfois que cela est le fruit du hasard. Mais au fond, en réalité, ces chemins sont les chemins de la vie. Car on pourrait passer 10 fois sur le même chemin et ne jamais se voir tout en se croisant. On pourrait se croiser 10 fois entre humains sans se voir, tout simplement parce que le regard n'est pas simplement dans les yeux, mais le regard est avant tout dans le mental, dans l'esprit. Alors je tiens à remercier ceux que ma vie a croisés jusqu'à présent, ceux qui ont inspiré mon chemin de vie. Car en réalité, on ne prend peut-être pas assez conscience de l'importance de la séquence des événements dans nos vies. Le fait d'observer le monde qui nous entoure, d'écouter ce que le cœur nous dicte, et surtout, surtout, le fait d'agir, oser prendre les devants, oser faire les choses différemment. C'est cela, saisir les opportunités. Le mois de novembre se termine ce soir, cette nuit, et nous avons ensemble, avec tous les marcheurs, parcouru plus de 1000 km en un seul mois. Oui, 1000 km, ce n'est pas rien. Je dirais même que c'est plutôt bien. C'est très bien. Nous espérons toujours porter plus haut la voix du peuple à travers nos actions, à travers nos gestes, à travers nos réalisations. Car il serait illusoire de rêver de grandes réalisations si on n'est pas en mesure d'apprécier les petites réussites. Il serait illusoire de rêver de grandes réalisations si l'on n'est pas en mesure d'apprécier les petites réussites. Alors j'ai dit bravo. J'ai dit bravo et je suis fier pour ce que nous faisons. Je suis fier de moi et je suis fier aussi de vous les marcheurs, de votre engagement, de vous qui marchez avec nous, qui nous accompagnez et de vous qui nous soutenez. Je leur dis à tous bravo et je leur dis merci. 1000 km, ce n'est pas rien. Et la porte est ouverte pour ceux qui veulent se joindre à nous, pour saisir cette opportunité. C'est cela aussi, agir, saisir les opportunités. Alors nous marchons et nous marcherons pour un monde meilleur. Marchez avec nous et surtout partagez pour ceux qui veulent aussi pouvoir saisir les opportunités d'une rencontre pour un monde meilleur. Merci.